Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un événement exceptionnel puisque certains d'entre vous le savent déjà, les championnats du monde ont commencé. J'aurais peut-être dû d'ailleurs faire cette vidéo avant, mais c'était surtout pour vous annoncer quelque chose de super intéressant et super important. Les championnats du monde vont se terminer à la BlizzCon. Donc évidemment, pour la BlizzCon, il va y avoir quelque chose de plus sympathique, je dirais, de prévu, puisque Blizzard va nous permettre de commenter dans les studios de Blizzard. Donc alors quand je dis ça, c'est pas la BlizzCon, attention, c'est pas Los Angeles, mais c'est dans les studios de Versailles, donc et c'est Blizzard qui va s'occuper de tout. Donc ça va être la première fois, alors c'est pas la première fois que je vais commenter en studio, mais ça va être la première fois que je vais commenter avec avec une vraie régie, on va dire, du Heroes of the Storm, et en studio, donc avec TRQR évidemment. Donc on attend que vous soyez très nombreux évidemment pour vivre ces championnats du monde, sachant que en dehors de ça, il y a de fortes chances que Dignitas soit potentiellement champion du monde. À l'heure actuelle, la grande rivalité oppose bien sûr Genji et Dignitas, même si d'autres prétendants sont là, hein, comme vous le voyez, puisque je vous montre le bracket. Et en l'occurrence, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient vachement à cœur et que je voulais vous partager. Donc Blizzard nous donne les moyens, on va dire, de pouvoir commenter dans de très très bonnes conditions. Et j'espère que vous répondrez nombreux sur le stream. Donc évidemment, les horaires sont à l'américaine, donc ils vont être un petit peu délicats. On les viendra juste après. Donc vendredi, vous le voyez juste à côté de toute façon. Hop, vous les voyez là. Mais ça commencera à 19h. Il y aura la cérémonie d'ouverture avec toutes les annonces. Sachant que comme si vous me suivez normalement sur YouTube, vous savez que les 4 licences de Blizzard me tiennent particulièrement à cœur. Donc il y aura la cérémonie d'ouverture concernant Heroes of the Storm, concernant Diablo, concernant Overwatch et concernant Warcraft évidemment. Et on couvrira toute la cérémonie d'ouverture avec TRQR. Et ensuite, donc à 20h, commenceront d'ailleurs les quarts de finale en BO3. Donc les 4 quarts de finale se joueront. Alors c'est pas, l'ordre n'est pas encore, ça commencera peut-être pas par Genji, The One. Je sais qu'ils vont faire des ajustements pour correspondre au plus de monde. Par exemple, peut-être mettre le dernier match des Chinois parce que ils se lèvent plus tard, etc. Donc je sais pas comment ça va être mis en place, mais il y aura les 4 quarts de finale vendredi soir. Et samedi, donc de samedi de 17h à 3h du matin, il y aura les 2 demi en BO5 et la grande finale en BO5. Donc j'espère que vous passerez un bon moment bien sûr en notre compagnie. Moi je pense qu'on va se régaler, et je rappelle que l'enjeu, je vous inviterai bien sûr, à si vous ne l'avez pas encore déjà fait, à regarder la vidéo d'interview de JPL qui m'avait consacré. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est un enjeu très particulier, puisque Dignitas fait pour la première fois les championnats, enfin pour la première fois Dignitas va peut-être gagner ces championnats du monde. Alors ils n'étaient pas passés loin, hein. Je rappelle qu'ils ont fait 3 finales de championnats du monde et qu'ils ont échoué, mais ils n'étaient pas forcément favoris. Alors que là, honnêtement, avec Genji, ce sont les deux grands candidats au titre, et on y croit surtout que JPL, notre seul français qualifié dans ces phases finales, tirera sa révérence après ces championnats du monde. Donc c'est ses derniers Worlds, tout simplement. Donc on espère évidemment qu'ils finissent en soulevant le trophée, et en plus ce serait le premier français à être sacré champion du monde. Donc on espère que tout est mis pour qu'on passe un super moment. Donc j'espère que vous serez nombreux sur le live évidemment. Le stream, je vais mettre tout ça en visu. Donc ce sera sur Blizz Heroes FR, donc de 19h à 4h du matin, 17h à 3h du matin pour le samedi. Et ce sera donc sur Blizz Heroes FR, hein. J'hosterai depuis ma propre chaîne, mais voilà, Blizz Heroes FR, donc la chaîne officielle de Blizzard. Donc voilà, j'espère que ça vous hype et que vous répondrez présent justement sur le live, donc sur Blizz Heroes FR vendredi soir et samedi. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si jamais vous avez des questions, des observations. Vous pouvez retrouver d'ailleurs l'intégralité des matchs des phases de groupe dans les replays de Blizz Heroes FR. Alors il y a aussi un YouTube que je mettrai dans la description, parce que il est très très peu vu, mais il y a un YouTube de Heroes eSport français. Donc si vous voulez retrouver les replays, parce que moi je ne peux pas malheureusement mettre comme c'est sur Blizz Heroes FR, je n'ai pas les droits pour ces vidéos là, donc je ne peux pas les mettre sur mon propre YouTube. Mais on fera probablement un petit best of ou quelque chose de ce championnat du monde. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aide. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quelles sont vos attentes, parce qu'on va faire aussi la cérémonie d'ouverture, et moi c'est un truc que j'adore chaque année à faire. Pour Diablo, il devrait y avoir des choses, il devrait y avoir beaucoup de choses aussi pour Starcraft.
Quelles sont vos attentes? Est-ce qu'il y a des persos? Préparez-vous à Orphéa d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des persos qui vous hype? En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, plein de bisous. Je vous donne rendez-vous vendredi à 19h jusqu'à 4h du matin. Et samedi de 17h à 3h du matin. C'est super important, encore une fois, parce que bah, plus vous êtes nombreux et plus Blizzard se rendra compte que oui, la communauté française est là. Et que peut-être eh bien, on pourrait être en studio plus souvent. Hein, ce serait quand même super, super intéressant. Donc voilà. On compte sur vous, je vous fais plein de bisous et on se donne rendez-vous ce week-end. Allez, ciao, bye.